Bonjour, je suis vraiment, vraiment très, très, très heureuse d'enregistrer cette vidéo de la nouvelle lune en Sagittaire parce que les énergies s'allègent, on a une remontée d'énergie positive et ça fait énormément de bien. Le Sagittaire, c'est l'énergie de nos élans, de notre enthousiasme et ça va faire du bien après cette pleine lune, après cette lunaison qui pouvait être un petit peu lourde parce que comme il y avait une éclipse, ça peut aller ramonner très, très profond. Et puis, il faut bien dire que les rayons étaient très, très, très radicaux hein, avec ce carré de Saturne qui a pu nous plonger dans des doutes, dans des profondeurs et notamment sur la question des territoires. Hein, la Lune se situait dans le signe du Taureau. Le Taureau, eh bien, c'est nos territoires, tous nos territoires physiques, notre corps, nos finances, notre immobilier, notre identité aussi, hein, qui est une forme de territoire, hein, eh bien, il y a pu y avoir des choses où vous avez pu être ébranlé à ce niveau-là. Et là, maintenant, eh bien, l'énergie retombe. C'est un petit peu avec Uranus, hein, Uranus était conjoint à cette lune, donc ce qui est très, très, très fort et souvent très déstabilisant. Uranus, ça peut être des explosions, ça peut être des surprises, des nouvelles soudaines qui arrivent, des accidents même, hein, des choses auxquelles on ne s'attend pas, un petit peu comme des tremblements de terre, des explosions. Et on sait bien que quand quelque chose explose, eh bien ensuite, eh bien les particules retombent. On reprend possession des choses, on est un petit peu dans cette période-là avec le Taureau pour profiter, pour prendre conscience encore plus de notre instant présent, pour prendre conscience encore plus eh bien, des bénédictions qui se trouvent dans notre vie. Hein. Souvent, on a besoin de ressentir qu'on peut tout perdre pour pouvoir réaliser à quel point on est chanceux, à quel point la vie est belle, à quel point la vie est riche de plein de points de vue différents finalement. Et ça nous permet de cultiver encore plus en profondeur la gratitude. Donc ça, c'était pour la dernière pleine lune. Cette pleine lune dans l'axe taureau-scorpion, la lune était en taureau, le soleil était en scorpion. Donc ça a travaillé vraiment toute cette question des territoires. Et maintenant, on entre dans le sagittaire, des énergies de feu, des énergies beaucoup plus enjouées, avec des aspects beaucoup plus doux. Vont faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Donc, on va voir ça en détail. Et avant, j'ai le grand plaisir, la grande fierté de vous présenter la toute nouvelle boutique de Noël. C'est tout nouveau, hein, première fois que je fais ça. Donc, si vous avez envie pour Noël d'offrir ou de vous faire offrir un coaching ou une formation, si vous rêvez depuis longtemps d'une formation ou d'un coaching, ben, ça peut être l'occasion de Noël, eh bien, de vous la faire offrir. Et évidemment, moi, personnellement, j'adore la magie de Noël et je trouve ça extrêmement important d'avoir quelque chose à mettre sous le sapin. Donc avec mon équipe, on s'organise, on va vous envoyer des enveloppes dorées avec toutes les instructions, toute la présentation, quelque chose de très vibrant et chaleureux. Je mettrai un petit mot à la main aussi dans chaque enveloppe parce que je trouve ça très très important, l'écriture à la main, recevoir une enveloppe avec un mot écrit à la main. C'est vrai qu'à une époque, il y avait beaucoup, on s'écrivait des lettres, mais aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu avec la facilité d'Internet. Mais donc, moi, j'y tiens quand même et je trouve que c'est important d'avoir ça. Et puis, si vous avez des demandes particulières, si vous offrez à une personne à qui vous voulez que je mette un mot particulier ou une histoire à me raconter pour que je puisse vraiment être inspirée, eh bien, vous pouvez nous le dire par mail, ou si vous ne savez pas quoi choisir ou vous avez la moindre question, eh bien vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou même à prendre rendez-vous. Il y a possibilité de prendre un petit rendez-vous téléphonique avec nous et on pourra vraiment débrouiller tout ça pour que ce qui se passe sous le sapin, ça soit vraiment vraiment magique, chaleureux et qui est cette énergie et ce feeling qui puisse passer. Donc c'est sur mon site emily-morel.com, vous aurez tout le détail de comment faire. Et encore une fois, si vous avez besoin d'être soutenu, d'être accompagné dans la démarche, vous nous contactez et on se fera un plaisir de vous aider. Donc voilà pour cette annonce et maintenant on va démarrer avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, on va la décortiquer un petit peu. Elle se passe au tout début
du signe du Sagittaire. On est vraiment dans ces premiers élans, ces énergies très très fraîches du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quoi finalement? Ben déjà, c'est un signe de feu, c'est un signe qui nous fait remonter l'énergie. Là où le Scorpion, là où était le Soleil dernièrement, on était plutôt dans un signe yin d'intériorisation. On va voir à l'intérieur, on fait des nettoyages, on transmute. Hein, il était vraiment question d'être pleinement dedans. Hein, avec le Scorpion, ça arrive qu'on ait un peu le nez dans le cambouis, mais pour transmuter tout ça, pour transformer le plomb en or, pour transformer le plomb en magie. Avec le Sagittaire, c'est plutôt un autre mode d'action. On va se situer au-dessus des nuages. On va planter notre flèche pour nous dire « Ok, non, ça, j'en veux plus. Je ne veux plus vivre ça. » Je veux m'extraire et me situer au-dessus de tout ça, hein, un petit peu comme si on faisait décoller notre avion. Plutôt que d'être sous les nuages, eh bien, on perce la couche de nuages pour se situer au-dessus. Alors, ça revient évidemment à changer de plan quantique. Hein, c'est l'idée que tout ce qu'on va vibrer dans nos cellules et dans nos énergies va entrer en résonance avec ce qui va nous arriver pour de vrai dans la vie et comment on va recevoir les événements, comment on va les traverser. Évidemment, quand on se situe en dessous des nuages, quand on a l'impression que rien ne va, que de toute façon le monde va mal, que ça va être tout pourri à plein de niveaux, sur plein de plans et qu'on va pas s'en sortir et qu'on est très impuissant dans la démarche, on est clairement en dessous des nuages, ça c'est sûr. Alors quand on est vraiment dans du désespoir, quand on se dit que là, voilà, on n'a vraiment vraiment plus du tout ni l'envie ni rien, là on peut être même carrément dans le nuage hein, au moment du passage finalement. Hein. Ce qui veut dire que quand on n'est vraiment pas bien, il faut réaliser qu'on est justement en train de traverser ce portail pour aller vers la lumière. Et puis quand on est pleinement dans la confiance, quand on sait qu'on va aller vers l'inconnu, mais qu'on a confiance dans l'inconnu, eh bien, on sait qu'on est au-dessus et que finalement, tous les potentiels sont ouverts, toutes les solutions sont possibles, même si on semble être dans une situation où c'est bouché. Hein, vous savez, quand on est dans des situations où on a comme une espèce de chape de plomb sur les épaules, où ça semble inéluctable, comme si on était dépossédé de notre destin, comme si on pouvait se sentir écrasé par une situation, par une personne. Quand on se situe au-dessus des nuages, finalement, on va faire exploser tout ça. On va être au-delà de ça et on va avoir une clarté qui fait qu'on va véritablement trouver des solutions et la vie va nous montrer des issues miraculeuse. Cette montée au-dessus des nuages, c'est l'endroit finalement où on va rencontrer des miracles dans notre vie. Eh bien, le Sagittaire, il est là pour ça. Il est là pour nous emmener au-dessus des nuages et donc nous emmener vers une forme d'espoir, l'espoir qui crée des miracles. Croire à nouveau à la bonne étoile, croire à nouveau que tout est possible, là où effectivement, même d'un point de vue collectif, on peut être facilement plongé dans une idée que tout va mal et on peut y croire très très fort. C'est-à-dire que quand on est sous le nuage, c'est notre réalité et on va rencontrer effectivement des situations qui vont confirmer systématiquement cette réalité. Tant qu'on n'est pas monté au-dessus des nuages, quand on n'a pas fait ce saut quantique, eh bien, on y croit et c'est vraiment ce qui va se passer finalement. Quand vous êtes dans « Ah, oh, mais qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus ?» Là, vous savez que vous êtes en bas. Le grand, grand piège dans cette histoire, c'est que finalement, quand on est dans le cauchemar, on croit complètement au cauchemar. On croit au cauchemar et il devient réel. Comme quand vous faites un cauchemar, finalement, bah, vous y croyez jusqu'au moment où vous vous réveillez et où vous voyez bien que c'était un cauchemar. Mais tant que on est dans une situation où tout va mal, où on n'a que des mauvaises nouvelles qui tombent, où que le sort semble s'acharner, c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, et plus ça va mal, plus ça va mal, eh bien, on sait qu'on est dans cette spirale négative et donc on sait qu'on est en dessous des nuages. Donc, pour émerger, c'est vraiment très, très important de maintenir un mental d'acier, de maintenir quelque chose où on va percer tout ça. C'est notre mental qui fait ça. Et d'autant plus que dans le Sagittaire, on a Mercure qui va être conjoint Vénus et qui nous soutient dans cette percée et qui nous aide à maintenir des pensées positives. Parce que finalement, la façon la plus claire de savoir si on est
au-dessus des nuages ou si on est dans le cauchemar, c'est est-ce que j'ai des pensées positives? Est-ce que je crois en mon avenir? Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens sereine? Est-ce que j'ai l'impression que tout va bien aller? Est-ce que, oh, c'est l'inconnu qui s'ouvre à moi? Mais chouette, j'adore, j'adore l'inconnu, oh, on y va, allons-y. Est-ce que tout simplement on est dans la joie ou est-ce qu'on est plombé? Si on est plombé, pof, on est sûr qu'on est là. Si on commence à se dire « Oh, mais qu'est-ce qui va se passer ? Oh, mais qu'est-ce qui va arriver en 2023 ? Oh, mais qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus ? Oh, je vais voir une vidéo d'astrologie pour savoir ce qui va se passer. » Là, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, on est sûr qu'on est dans le cauchemar. À partir du moment où on commence à se dire « Oh, mais qu'est-ce qui va se passer ? Je veux savoir ce qui va se passer. » Vous comprenez déjà que rien que dans la question, vous n'êtes déjà plus acteur. Vous n'êtes déjà plus au centre créateur de votre vie parce qu'il va se passer comme si quelque chose d'extérieur allait se passer. Or, il ne se passe rien. Ce qui se joue, c'est toujours à l'intérieur de nous. C'est toujours des programmations dont on va être plus ou moins conscient. Pour la plupart de nos programmations, c'est absolument inconscient. On fonctionne en programme automatique, on reste dans notre petit cauchemar comme ça, bien confort dans notre petit cauchemar, parce que le cauchemar, c'est du connu finalement. Hein. On connaît bien notre cauchemar, hein. C'est nos galères quotidiennes, c'est nos problèmes quotidiens. Ah mais oui, bah, je le savais. Voilà, on est confort, même si c'est très désagréable, c'est confortable parce que on a une forme d'impression de contrôle. Hein. Et donc Mercure-Vénus est vraiment une occasion de reprogrammer tout ça dans ce mantra extraordinaire que tout est encore possible, tout est possible. Ici, tout est fermé, tout est déjà programmé, calculé, tout pourri, déplaisant, mais à partir du moment où on ouvre et on programme autrement nos pensées et nos vibrations, eh bien, tout devient absolument possible. Et cette nouvelle lune, c'est vraiment ça, c'est s'ouvrir au fait que le meilleur est possible. Le meilleur est possible, donc autant programmer le meilleur, autant programmer les miracles, autant nous situer sur des plans quantiques d'ouverture aux miracles. Parce que, en fait, il s'agit bien de comprendre que quand on est dans le cauchemar, tout simplement, on est absolument fermé à toutes les bonnes choses qui pourraient nous arriver. Il y a tellement de peur ici qu'on verrouille, on verrouille, on verrouille, on verrouille toutes les portes. Tout est programmé en termes de verrous. Alors que quand on commence à aller au-delà, eh bien évidemment, les verrous sautent et on peut enfin s'ouvrir à toutes les bénédictions. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. Je voulais aussi vous faire deux petits mots puisqu'il était question de programmation justement du nouveau programme Ancrage Magique 2023 où il va être question de libérer des croyances en fonction de votre thème natal et en fonction des énergies de 2023 pour travailler à surfer justement ces énergies et ne pas les subir parce que quelle que soit la situation et quelle que soit la situation collective, vous savez que quoi qu'il arrive, quand on est aligné, on s'en sort et même on bénéficie même des crises, hein, même s'il y avait une crise qui arrivait, eh bien à partir du moment où vous êtes aligné, eh bien vous transformez le plan en or autour de vous. Donc cette formation Ancrage Magique 2023, elle est vraiment, vraiment là pour ça, pour faire un travail profond sur votre thème natal et les transits de 2023. Si vous êtes grand débutant, eh bien vous avez la possibilité de prendre le pack débutant, ce qui fait que tout le monde peut vraiment bénéficier de ce travail. Je vous souhaite une très, très, très belle nouvelle lune en Sagittaire, de vivre plein de joie, plein d'élan. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.